Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikoum fi hadha al video jdid. On va voir la notion de voisin. Donc on dit que deux sommets sont voisins s'ils ont une liaison entre eux. Donc il y a une liaison entre deux sommets. Donc c'est qu'on a deux sommets. Donc pour dire qu'ils sont voisins, c'est qu'on a bien naturellement une liaison. Okay? Donc ici, il y a une liaison, on dit qu'ils ne sont pas voisins. Donc par exemple, on a le sommet 1 ou le sommet 2, donc il y a un le lien comme ça. Donc dans ce cas, on va dire qu'ils sont voisins. Donc on dit que le sommet 1 et 2 sont voisins. Donc mais par exemple, si ils sont comme ça, donc on dit qu'ils ne sont pas voisins. Par exemple, maintenant 3 et 4, il n'y a pas de liaison entre les deux. Donc maintenant, j'ai le lien ici, ou là comme ça, donc peu importe qui fait ce rattachement. Donc ici, avec un globe, ils ne sont pas voisins. Okay? Ici, voisins. Ici, ils ne sont pas voisins. Okay? Donc, on a un lien ici pour dire qu'ils sont voisins. Donc, c'est ça la notion de voisin. Donc, bon, la notion du voisin, donc on l'utilise pour déterminer une autre notion. Donc, quoi, la notion, les symptômes, degré. Donc, avec la notion du degré, donc, elle dépend du nombre de voisins, parce que le degré est un sommet S, donc on a quoi, sommet S, donc avec l'ensemble S, donc grand S comme ça, fait A des sommets, donc fait A des IS, donc, par exemple IS 1, ainsi de suite. Donc le degré d'un sommet S et le nombre de voisins de S, c'est-à-dire que c'est combien de voisins qu'il y a avec le S, c'est ça le degré, et on note comme ça, D de S, c'est-à-dire du degré de S, égal à 1 N. Donc, N, c'est le nombre de voisins. Okay? Donc, par exemple, quand on a un graphe, donc début, donc l'effet 5 sommets, donc, quand on a un liaison. Donc, par exemple, si on veut déterminer le degré de L sommet 1, ici, tu cherches un voisin. Donc, ici, on a un premier voisin, c'est 2. Le deuxième voisin, c'est 5. Donc, ici, on a 2. Donc, on peut encore aller avec, voir avec 2. Donc, le degré de 2, c'est combien de voisins? Le premier voisin, ok, au deuxième voisin. Ok? Donc, 2, c'est-à-dire. Et 5 aussi, donc, on a le premier voisin, le deuxième voisin. Donc, le degré de 1, c'est 2. Le degré de 2, c'est égal à le degré de 5, égal à 2. Donc, maintenant, après ça, c'est pas 3 et 4. Donc, on remarque que. Donc, pour 4, combien de voisins il y a? Il y a 3. Au principal, 3, il y a 4. Donc, degré 1 et 1. Toujours. Donc, c'est ça la notion de degré. Donc, au principal, le degré, on utilise la notion de voisin pour déterminer le degré. Voilà. Donc, c'est ça. Pour cette vidéo, donc la vidéo prochaine, on va voir d'autres notions de base à propos des graphes. À la prochaine, Inch'Allah.